Bonjour, bienvenue à chacun d'entre vous. Le message aujourd'hui, je vais vous le livrer avec mon cœur, simplement, avec ce que je vis présentement. Et je trouve que l'écriture me permet de venir vous partager ce que je veux vous partager. La première lecture se termine en disant « Heureux les invités aux noces de l'agneau ». C'est un passage du livre de l'Apocalypse. Et dans l'Évangile, Jésus nous raconte toutes les choses un peu dramatiques qui vont se passer à la fin des temps avec sa deuxième venue. Et il nous dit « Quand ces événements-là commenceront, redressez la tête, car votre rédemption est proche. » Je lisais ces textes et présentement dans les jours que nous vivons. Sœur Jeanne, notre fondatrice bien-aimée, notre mère spirituelle, en est au dernier jour de sa vie. Il lui reste pas encore beaucoup de temps. On est dans ce qu'on appelle les soins palliatifs. Et elle est vraie, la parole. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. On passe notre temps à rappeler à Sœur Jeanne qu'elle est l'épouse bien-aimée de Jésus. Et quand on lui dit juste « Tu es l'épouse de Jésus, Sœur Jeanne », elle dit « Je suis l'épouse bien-aimée de Jésus ». Et quand on lui dit, elle nous dit « Merci beaucoup de me le dire, il faut que je l'entende ». J'ai besoin de l'entendre. Et quand on lit ce passage, « Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption est proche. » À ses côtés, à travers tous les soins, je comprends que quand Jésus va venir la chercher, nous, on va pleurer, c'est certain. Mais elle va rentrer dans la gloire de Dieu. Elle va rentrer dans la grande libération. Et ce sera merveilleux pour elle. Elle nous parle très, très doucement, très, très peu fort, en nous disant, quand je vais être chez le bon Dieu, si vous me demandez quelque chose, je vais être avec vous. Mais n'oubliez pas, il vous faudra le demander. C'est toujours la même chose, une question de confiance. Redressez la tête, relevez-vous car votre rédemption approche. Dieu est avec elle. C'est extraordinaire de l'accompagner. Ça ne l'empêche pas du tout de souffrir, mais elle dit tout le temps, « Je dois accepter, j'accepte ce que Dieu m'envoie, même si c'est dur. » J'essaie de l'accepter, rester avec moi pour que je puisse dire mon oui, que je puisse l'accepter. Que je puisse l'accepter jusqu'au bout. J'ai commencé et je veux terminer. Elle dit et répète, je ne regretterai jamais de m'être livrée à l'amour. C'est merveilleux de recueillir toutes ces paroles-là en fin de vie. Ce qui nous montre qu'elle est encore avec nous, elle est encore dans ce monde où la souffrance existe, mais elle baigne déjà dans la présence de Dieu. Alors, à notre tour, n'ayons pas peur de rien. Dieu sait être avec nous. Dans les petites ou les grandes tribulations, au début de notre vie, à la fin de notre vie, Dieu est toujours avec nous. Qu'il mette quelqu'un sur notre route directement ou qu'il soit tellement présent au fond de notre cœur, Dieu est toujours avec nous. Il nous l'a promis et il le fait et il le réalise. Et Sœur Jeanne dit « Je ne suis plus capable de rien ». Je ne me rappelle pas, je ne peux rien faire pour moi, mais je peux encore vous aimer et vous dire merci. Et hier, elle disait, je le ferai
éternellement. Est-ce que c'est pas magnifique? Est-ce que c'est pas une vie à son état le plus pur? Elle a rêvé d'aimer et maintenant elle n'est capable que d'aimer. Elle a rêvé à cette reconnaissance. Elle l'a vécu, elle a fait des efforts, des milliers d'efforts, comme elle dit. Et aujourd'hui, elle dit, « Je pense pas que je sois folle, mais je peux seulement vous dire merci. » Et elle répète, « Merci, merci. » Allons voir Jésus. Allons voir Jésus pour lui redire notre confiance en sa présence. Tu as condamné.